Mesdames et messieurs la famille, bonjour. Les États-Unis d'Amérique a tapé République Dominicaine sérieusement là à cause de nouvelles politiques que Noé Luis Abinadel a mené contre les Haïtiens. Nous songez, semaine passée à les États-Unis d'Amérique t'ai publié en note côté le demandé avec citoyens américains yo pour faire attention ou bien pour pas voyager en République Dominicaine parce que si y aller en République Dominicaine yo capable et victime de en série de actes xénophobes discriminatoires en raison de couleur pour yo. Raison hein, c'est parce que nous songeil pendant semaine qui se passait là haïtien yo t'a passé un mauvais moment en République Dominicaine parce que tout simplement Luis Abinadel décidé pour que les courir des haïtiens pratiquement tout haïtien qui vivent l'autre bois que ou t'es gain visa que ou pas de gain visa de pour ces haïtiens couleur peau c'est noir etc. De pour où sembler avec haïtien eh bien les amis y a traco en République Dominicaine maltraito humilio et puis pimpe dans le pays d'Haïti. Donc, Américain a publié notre ça. C'était déjà un petit tap que vous avez Dominicain. Bon, rapidement, Dominicain, vous avez réagi, vous avez dit c'est menti. Les États-Unis d'Amérique tap fait un soyo puisque vous n'êtes pas raciste, etc. Vous seulement à contrôler les frontières. Yo, et vous avez fait comprendre, vous avez battu les somakyo pour vous faire comprendre que République Dominicaine, c'est un pays souverain, capable de disposer de territoires les gens que l'est. Il est capable de prendre des décisions que l'on connaît qu'à bon. Pour lui. Là, c'est économie dominicaine non, que les États-Unis d'Amérique tapé. C'est économie dominicaine non, que les États-Unis d'Amérique tapé. Non, on note que au publié en Lipro qui ça a dit là-dedans, il fait qu'on est que yo attaché hein, américain est attaché à la protection droit moun pendant que la fait promotion de un marché mondial juste et compétitif. Il fait qu'on est bureau des douanes de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique. Ah ben, émettent une interdiction d'importation aux États-Unis d'Amérique de produits du sucre de la centrale Romana Corporation, société américaine, qui trouvait le nom et en République Dominicaine. Ils prennent décision ça parce que il y a des informations qui fait croire raisonnablement que sans ça, entreprise ça, li a pas utilisé travail forcé, opération que a fait. Et les États-Unis d'Amérique de continuer, personne ne devrait avoir à travailler dans des conditions injustes, pièce pour ne pas supposer travailler dans des conditions injustes et entreprise qui pas respecter règles ça yo ben yo pas supposé en concurrence avec des entreprises yo même qui décidaient respecter règles ça. Donc c'est on tape les États-Unis d'Amérique interdit que la République Dominicaine voyait hein, et voyez sucre et des produits à base de sucre aux États-Unis. Est-ce que vous entendez? Donc, la République Dominicaine, elle vient trouver une situation extrêmement compliquée là. Parce que, encore une fois, si vous pas bien entendu, il fait qu'on est l'autre bois, eh ben, surtout dans l'entreprise qui a fait sucre, hein, dans l'entreprise qui a fait sucre, eh ben, et Mounio, c'est comme si c'est, nous songeons à Haïti, tes batailles contre l'esclavage. C'est comme Mounio, c'est un esclavage que oui. C'est travail forcé qu'il a fait. Et les États-Unis d'Amérique prennent des décisions, ça, ah ben, ça a un rapport direct avec Haïti. Le n'a pas songé, dans chaque canyon, en République Dominicaine, puis faut moun kap travail là, c'est des Haïtiens que oui. C'est des Haïtiens que oui. Ça veut dire, jodi a la, Luis Abinadel pensait que lui a maltraité Haïtien, mais le monde tape, fait mes yeux sous sa cap passé sous son migrant haïtien. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Le monde a su. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, on dit, jodia nous connaît économie dominicaine, non, li reposé sur le tourisme. Sur le tourisme. Mais les États-Unis, les États-Unis a émettent des opinions comme ça. Hein? Les États-Unis a sanctionné la République Dominicaine
à cause de politiques discriminatoires que l'a menée contre des Haïtiens. Ça a capable de gagner de lourdes répercussions sur l'économie et dominicaine. On a retourné sous ça, et les amis, en bord réaction et entreprise ça lui-même et qui, que les États-Unis sanctionnaient. Il réagit, il fait connaître que il rejetait catégoriquement toute allégation ça, toute parole ça que l'Américain audio parce que lui-même li respecter moun k'ap travay avec li yo. Au contraire, au cours des 10 dernières années, yo évolué dans façon que yo fonctionner avec employé à tel point yo investi ou bien yo dépensé des millions pour capable améliorer conditions de travail moun conditions de travail et de vie moun k'ap travay avec yo dans zone agricole yo. Yo garanti yo meilleur salaire, yo augmenté pour moun sa yo avantage social yo, gagné des ateliers de formation que yo mettez en place, hein, gagné des formations qui rapport avec droit moun que yo fait pour yo et gagné des formations qui rapport avec devoir travailleur que yo mettez sous pied également. Tout ça c'est pour garantir que moun yo même yo travail yo fonctionner dans de meilleures conditions. C'est ça, entreprise là, lui-même, lui dit. Mais les États-Unis d'Amérique, lui-même, lui fait connaître que yo gagne des éléments probants qui fait que yo croit que entreprise là, en tout cas, lui abuser de la façon que le traité moun kap travaille avec lui. Ok? Et les États-Unis d'Amérique, si nous étions sous simple communiquer ça, nous capables de parler qui conséquences que décision ça pral gagner sur l'économie dominicaine. Parce que entreprise ça seulement, ou bien sanction ça que vous prenez contre entreprise ça seulement, li pral faire, République dominicaine perdu plus passer 100 millions de dollars. Parce que entreprise, c'est une entreprise qui exportait chaque année plus passer 100 millions de dollars de produits à base de ce qui fait à base de sucre aux États-Unis d'Amérique. Hein? Est-ce que vous entendez? Et moi, je crois que si nous sommes un pays sérieux, nous t'as supposé suivre les États-Unis d'Amérique. Non, démarche ça. Parce que c'est des mouns qui vendent nous tout parce que nous pas produit rien. Tout ça que nous besoin, c'est en République dominicaine que nous achetons. Tout ça que nous besoin, c'est en République dominicaine. Et Haïtien, il a souffri dans l'entreprise. Haïtien, c'est eux-mêmes qui travaillent dans l'entreprise. Si je dis à les États-Unis d'Amérique, ils ont décidé de sanctionner une grosse entreprise dans pays, en République dominicaine parce que Moun yo fait travaux forcés. C'est comme si moun yo est dans l'esclavage que yo est toujours. Eh ben, nous-mêmes, qui c'est pays moun sa yo, nous t'a supposé agir dans le même sens. Mais pour qui ça nous pas fait? Peut-être responsable entreprise sa yo, c'est des moun qui gagne lien avec nèg qui dans gouvernement dans pays d'Haïti, qui des deals qui fait et puis ils sont en dia gouvernement haïtien li fermé gel sur ça. Mais c'est des crimes. Donc si les États-Unis d'Amérique fait, nous-mêmes nous t'a supposé faire également. Encore une fois, Jean Kendia n'a pas m'a pris un tweet que Edzer Emile fait matin. Hein? Edzer Emile fait qu'on est si sanction ça a kembe. Hein, on li tweet Edzer Emile dit comme ça, décision États-Unis prend pour bloquer SIC à l'autre produit qui fait axic qui a sorti dans centrale Romana a fait Saint-Domingue perdit environ 100 millions de dollars si interdiction ça t'a dit rayon l'année. Plantation centrale Romana représentait pour col 69% exportation SIC dominicain qui allait États-Unis chaque année. Est-ce que vous entendez? Central Romana, lui-même seulement, lui représentait presque 70% de exportation sucre vers les États-Unis d'Amérique. Hein?
Ça veut dire, nous sommes capables de profiter de l'occasion ça pour nous montrer avec ce domaine que nous sommes un pays qui est capable de répliquer avec lui. Le l'a fait, le décider à penser avec nous. En par exemple, nous avons bloqué frontière là. Nous avons bloqué frontière. Mais je dis là, au joint des Dominicains, hein, ou joint des Dominicains qui a manifesté, c'est comme si ils commencent à plaindre, produits que ils ont en caillou, produits ils commencent à gâter, hein, produits que ils ont en caillou commencent à pas gâter. Ça veut dire, nous sommes forts quand même. Nous sommes forts. On montre que nous sommes forts. Hein? On montre que nous sommes forts. En tout cas, les États-Unis d'Amérique n'ont pas décidé de faire la République dominicaine vague. Ils jouent des informations là qui fait croire qu'il y a des Américains noirs qui trouvaient dans des centres de rétention en République dominicaine. Centre de rétention, hein, c'est côté que ils mettaient haïtiens. Par exemple, le où rencontrer avec immigration en République dominicaine, yo mande au papier etc. ou pas gagne yo prend yo fouille non ti caloge côté où est al meto là dans ti chambre kayko où est al meto ou capable n'importe 3 jours avant yo prend pour pimbo Haïti, c'est ça que les centres de rétention. Mais ben, États-Unis fait connaît yo gagne des informations qui fait croire que gagne des Américains qui trouvent yo dans centre de rétention ça yo. Hein? Donc, dans ce sens-là, États-Unis pas décidé de la République dominicaine vague. Kounia, qui ça Abinadel pral dit, hier, yeah, monsieur fait gros rencontre avec tout chef dans le pays, tout responsable qui dans la police, sans doute, l'alra les oreilles, l'aldio, c'est n'a pas fait un travail, mais faut que nous sûrs que moun que n'a pral, c'est les Haïtiens qui ont. La presse pas invité dans la rencontre ça. La presse pas invité, les amis. Je pense que Abinadel, jodi a la, il est capable bien à morder doit pousser là. Il est capable bien morder doit pousser. Il a dit qu'est-ce monsieur. Je pas penser que décision ça que m'd'apprend, et ben t'as bien répercussion ça que gagne. En tout cas, et ben n'a suivre les amis. N'a suivre pour nous qui ça va le passer. N'a suivre pour nous est-ce que République dominicaine pas pral retourner sous façon pas pral rewè façon que l'a fait politique ça. Hein? Parce que laissons l'état que y a traité de raciste, il est terrible. Laissons individu, OK, pas un problème, mais laissez l'individu a utilisé organe étatique pour mener une politique discriminatoire contre l'autre population ou bien contre des populations qui vivent sous territoire, il est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, les amis, et me pas croire que le monde en 2022 est capable à accepter on bagaille comme ça. La police nationale d'Haïti annonçait que deux présumés criminels dans la zone Lulavoie hier, dans le cadre d'une opération que Yotap menait. C'est des mounes qui a fonctionné dans gang, dans plein, non. Selon la police, il y a un résilement aussi avec Marilyn Pierre Sonnel. Il y a un ex-aïe ou un gang qui a opéré dans un bon repos. Eh ben, la police a cherché, hein, pour plus passer une dizaine de cas de kidnapping. Et finalement, la police arrivait sous yo, échange de tirs, et puis, yo tombé, hein. Yo tombé. C'est des nouvelles qui est intéressant parce que, nous gagnons longtemps que nous pas jamais joué une petite nouvelle ça, yo. Bon, c'est vrai que c'est moun kap tombé, c'est moun kap mouri, mais conseiller de nègre, conseiller de bandit, dans le moment qu'on n'a pas les là, nègre yo sans foi, yo sans loi, et donc, nègre yo a agi en toute impunité, yo pas peur personne, y'a touillé, y'a kidnappé. Donc, si nègre yo tombé dans le travail, yo, ah ben qui ça vous dit que la police continue fait travail, hein, que la police continue fait travail. Dossier Laurent Lamothe, depuis quelques jours là on sait de monde qui presque empêché monde parler de Laurent Lamothe. Mais pour parler de questions
Petro-Caribe, de question 25 stades que Laurent Lamotte dit que l'était fait, et au moins enragé pour dire que, mais contre ça, c'est pas Lamotte qui t'est signé, il t'est signé depuis René, depuis sous René Préval. Mais à un moment donné, faut que nous baillons une tête, yo. Faut que nous baillons une tête, yo. Qui est-ce qui t'a marché dit que l'était fait 25 stades dans le pays d'Haïti? C'était Laurent Lamotte, pas vrai? Si Laurent Lamotte t'as marché dit que t'es fait 25 stades dans le pays d'Haïti, que assumer responsabilité li. Parce que tout le monde est clair, il y a un stade dans le pays d'Haïti, même un bon pack sportif, il y a un pays d'Haïti. Hein? Et pour parler de 25 stades fictifs, ça, Laurent Lamotte dit le fait, fanatiquement enragé. Yo tout, c'est pas de projet, monsieur, etc. Ti comme ça, pas de cas construit stade, bah, ok. Bon, yo pas de cas construit stade. Ou bien, c'est pas où tu es un projet. Pour qui ça, où tu es venu parler de ça? Hein? Là, la mode tape fait propagande ça, yo. Même d'ailleurs, me connais, est-ce que c'est battre, yo, tu battre Laurent Lamotte pour le tape de brigand dans les zones d'Afrique-Moun? Ça qui passe, ya, c'est que politiciens haïtiens toujours n'ont menti à tête, yo. Yo toujours utilisé faux propagande, menti, pour capable vendre population, une population qui sorte, une série de rêves. On sait de bagaille qui pa pouwe avec aucune réalité. Et en conséquence, l'on fait ça ou son bluffé. Laissez sous menti ou l'on sont responsables politiques et puis c'est sous menti ou vivre avec opposition ou son bluffé. Donc non sans ça, moi je crois que Laurent Lamotte même avec un pile d'autres politiciens qui pas fait l'autre bagaille que vendre population en rêve, yo tout net c'est des bluffés que oui. Et des pour ces politiciens, des pour son politicien ou bluffé. Ou vin en danger. Ou son danger, non seulement pour propre tête pauvre, mais son danger pour population, pour pays en général. Un politicien, c'est agir. Et puis réalisation à parler pour. C'est pas utiliser comme pays pour faire propagande, etc. Et puis en réalité, on met nos papes faire. Marché poisson, stade, et soi-disant viaduc. Pas de pièce moun qui capable à vendre vendre moun rêve là. Bagay yo là, réalisation yo là, et comme la disparaître. Qui ça n'a pas vendu moun là? Qui ça n'a pas vendu moun là? Hein? Contre rien doit te signer sur René Préval, mais qui est-ce qui t'a exécuté projet yo? Qui est-ce qui t'a débloqué l'argent yo? C'est ça la question. Et même si projet, même si contrat est signé sur René Préval, il y a sacré les continuités de l'État. Contrat signé sous Préval, projet pas commencé sous Préval, projet c'est sous le commencé, versement c'est et c'est où qu'a versé l'argent, qu'a débloqué l'argent pour projet réalisé. Mais au moins, où ont pouvoir de contrôle sous compagnie qu'a exécuté projet là. Si pouvoir de contrôle ça, hein, si contrôle ça ou pas fait ou qui te bagaille ou fait n'importe qui genre et puis c'est où dépenser l'argent, mais c'est sous oui responsabilité à tomber, hein, responsabilité à c'est où c'est sous dos li tomber. Donc pas vina dans sa figure moun, monsieur dame. Depuis c'est politiquement on l'idée à faire ou paraître l'aide. Et les réalités autour d'un contour, d'un boule figure, parmi nous, c'est le problème que nous avons avec. Je dis à Haïti, trouver une situation extrêmement difficile, c'est nous tous net qui passons dans notre pays, ça qui est responsable. Parmi nous, après, aller tête, nous montrer que nous sommes sains, et puis c'est l'autre là qui a un problème. Non. Et ce modèle politique, ça, justement, il fouet notre tête que là. Ça, nous supposons comprendre et nous supposons accepter. Mesdames et messieurs, on a parlé plus tard dans l'autre vidéo. N'ayez pas oublié que moi et nous, en pile, les amis. Et puis, l'autre bagaille, c'est que Michel Martelly, monsieur était entré dans le pays d'Haïti, monsieur qui était retourné aux États-Unis d'Amérique. Donc, contrairement avec en pile monde qui était fait croire que Michel Martelly, États-Unis sanctionné, etc., c'est pas vrai du tout. Et nous capables, moi-même, t'ai dit ça dans la vidéo que m'ai fait avant hier. Moi, t'ai dit très, très clairement, m'pas comprendre le comportement américain là.
Là, on te prend sanction contre Joseph Lambert avec Yuri la Tortue. Canada, on n'y qu'a parlé de ça. Rapidement, ouais, secrétaire d'État américain, quand il y a Anthony Blinken, rapidement, elle t'a fait tweet. Rapidement, département de trésor, t'a publié, communiqué. Quand elle t'a dit Lambert dans tout le monde, quand elle t'a dit Yuri la Tortue dans drogue, etc. Mais pour qui raison, il n'y a pas suivre le Canada concernant sanction ça que États-Unis, concernant sanction ça que le prend contre Laurent Lamothe avec Michel Martelly. Donc, il est clair que Gombaraï, ça confirme également information qui ont circulé qui fait croire que Michel Martelly son nègre qui gagnait nationalité américaine. Hein? Ça confirme ça. Ça confirme ça. En tout cas, Malé, on va parler plus tard.